Haïti Démocratie Project, son organisation qui créée dans les années, au début des années 2000, à la suite de troubles qui étaient gagnés politiques qui étaient gagnés en Haïti. Côté international, là, surtout, les États-Unis d'Amérique qui étaient réellement présents là dans ce qui a passé souterrain. Hein. Et surtout avec l'international républicain et institut que nous avons les IRI et qui a gagné un bureau de Babo ici et que nous avons cherché exactement des voies qui paraissent plus ou moins équilibrées là dans le temps diaspora ou population haïtienne qui est capable présent dans le couloir politique Washington. C'est ça qui vient avec naissance Haïti Démocratie Project. Et on va regarder pour vous, même là dans mon directoire que je vais vous dire, on va prendre des noms comme des figures internationales et Pezulo, que nous connaissons très bien, ancien secrétaire général de l'ONU. Nous gagnons Clarence Pezulo. Pezulo, c'est ça. Il fut aussi membre. Donc, il gagnait. Et Ernest Puig, ancien ambassadeur américain dans les années 80 en Haïti, c'est dit que chairman organisation. Nous gagnons Timothy Carney, ambassadeur d'Haïti aussi dans les années 90 en Haïti, et qui est encore membre de l'organisation. Et jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et nous gagnons des personnalités haïtiennes qui officiellement élu aux États-Unis en la personne de M. Jean Jeudi, qui est un congressman haïtien à New Hampshire. Et ensuite, il y a certaines figures haïtiennes qui sont membres du directoire. Ce n'est pas une organisation bidon, ce n'est pas une organisation qui existait dans l'obscurité. D'ailleurs, Haïti Démocratie Project, bon bilan. Bon, moi-même connais non ça, son nom qui était bon très bilan. Son nom qui était très présent en Haïti, mais à un certain moment nous venons pas attendre organisation encore. Bon, ça, organisation hein, c'est toujours la crise haïtienne non, ça fait longtemps que j'aime d'aller. Oui, mais toujours là travail. Et nous capables gagner en pile parlementaires haïtiens qui participaient dans des délégations que nous organisons soit avec Congrès américain, département d'État et même certaines autres institutions internationales. Oui, nous toujours continuons à travailler. Il y a le secteur privé des affaires qui toujours gagne délégation avec Haïti Démocratie Project. Mais bilan est toujours là. Et pour les élections, à date, nous gagnons près de 600 observateurs internationaux et nationaux qui participaient jusqu'aux dernières élections de 2017, de 2016 alors. Oui, nous toujours là, nous toujours présents. Pourtant, Pierre Espérance présentait Haïti Démocratie Project comme c'est pratiquement là qui va exister. C'est d'ailleurs l'idée, c'est un grand monde. Parce que comment il s'appelle, c'est James Morrell. James Morrell. James Morrell. C'est une personnalité. Et puis Monsieur dit bon. Mais c'est pas trop important, l'organisation comme ça. Il dit que bon, même lui-même nous va inviter lui. En tout cas, bon chance gardien, pour même gardien là. Même gardien qui n'a parce que moi-même m'attendais lui avec un peu d'attention. Mais jusqu'avant, mais je voulais quand même disons saluer la mémoire de certains grands hommes qui ont marqué l'histoire de ce de notre pays en la personne de Maître Gérard Gouk, Jean-Claude Bageux et aussi La Fontaine Joseph, que Mounsayo qui marquait sacré les droits de l'homme en Haïti, qui font un travail remarquable et qui quittait trace pour pays à te suivre. Mais malheureusement. Vous parlez de Roger Lafontaine? Non, je parlais de Joseph Lafontaine. Ah, ok. Yes. Joseph Lafontaine, Maître Gérard Gouk, ainsi que Jean-Claude Bageux, qui ont fait un travail extraordinaire dans le domaine. Absolument. Et scandale que moi, organise certaines organisations qui disent qu'il y a défendre droit de l'homme en Haïti,
qui constituent pour moi des partis politiques obscurs, qui ont fait travail juste pour satisfaire survie en fomentant des dossiers réellement malsains. Parce que on monde qui fait défense des droits humains, ou doit être honnête, ou doit être propre, et ou doit agir avec éthique, ou pas qu'à baser sur mensonge. Même avant, même pour venir au micro pour parler d'une organisation sœur. Lorsqu'on parle de Haïti Démocratie Project, on va parler de James Morrell. James Morrell est un Américain de naissance. James Morrell, grand doctorat en sciences politiques et histoire. C'est un chercheur dans la police internationale. Il n'est pas n'importe qui. S'il est intéressé dans l'histoire pays, nous, c'est par amour pour Haïti. Même gens, certains citoyens américains manifestent certains intérêts, mais qui pas gagnent aucune liaison avec sa gouvernement ou l'État américain fait. D'ailleurs, son passé seulement là dans le pays, il montre nous que c'est un philanthrope. C'est un philanthrope qui travaille pour le bien-être et surtout pour l'émancipation des humains qui poussait là. D'ailleurs, Paul Farmer qui construit l'hôpital Mirbalea, c'était son collaborateur. Et c'est ça qui mène en Haïti. C'est par rapport avec Paul Farmer. C'est pas comme ça, Lina, qui donc Pierre d'Espérance, par contre, qui ça l'a dit. Oui, d'accord avec elle, Haïti Démocratie, je n'ai pas ta chambre qui a invité Pierre d'Espérance. Et Pierre d'Espérance est un faux. L'écrasé Haïti depuis 34 ans, l'occupé espace ça, il est sans bilan. Bilan Pierre d'Espérance, Madame Lalime connaît. Et Madame Lalime corrige elle. Mandel pour qui ça a dit, même à Madame Lalime, sorti divisé. Parce que Nara Polio l'a baï menti. On m'a dit que je défends les droits humains. Les normes qu'on défend, c'est pour la dignité et l'émancipation des humains. Ou pas qu'on crase les gens, ou pas qu'on crase l'autre monde. D'ailleurs, nous avons bon exemple, toi, M. Sayo, qui travaille, qui œuvre pour les droits de l'homme. Mais il qui a quitté ton bilan. Et il a œuvré sous Jean-Claude Duvalier, arrivé dans les années 70-80. Ou pas, jamais dans des noyaux dans scandale. Mais puis, à l'espérance, li dominer actualité politique là par qui ça par des scandales mais non pas par des recherches mais non pas avec des solutions depuis qu'il a Pierre d'Espérance parlait de défense droits humains en Haïti ça droits humains est-ce qu'on éduque population pour le compte droit face à gouvernement est-ce que gouvernement par rapport à ça dit qu'on a obligation face à la population une population qui a génie cap voter dans la boue et pour dire ou défendre droits humains mon chambre ou monter au créneau pour déclarer ça pas droits humains pour moi ça c'est un parti pour un pseudo parti politique qui caché derrière coup de plume ni pour la bail menti en formantant des mauvais rapports pour capable faire bœuf là pour ça survie mais pas gain droits humains là et moi même m'a expliquer encore Haïti Démocratie Project gain bilan de 2000 jusqu'à 2016, nous avons bilan, nous invitons des délégations, même CPT Alpa des deux lits, dit que nous sortons pour nous écraser CPT en invitant Raoul Pierre-Louis. Non du tout. Au contraire, des membres du CPT étaient invités par Haïti Démocratie Project. Docteur Gérard Gilles, l'actuel coordonnateur du CPT, M. Edgar Leblanc, ou t'es gagné, M. Fritz Jean, nous devons recevoir des invitations de notre part. Peut-être qui ça? Dans le cas de scandale ça ou non? Non, pas dans le cas de scandale ça. Immédiatement après leur nomination, nous invitons. Mais malheureusement, par rapport avec calendrier, ils ne sont pas capables de respecter. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas de politique. Son organisation active. Nous sommes actifs. Okay. Maintenant, et ceci dit, jusqu'à présent, c'est ça que fait, après scandale BM Padla, 58 millions de dollars de l'État haïtien sont confisqués par la banque américaine. Haïti Démocratie Project joue un rôle de facilitateur en invitant le président du conseil d'administration pour le capable de rencontrer avec Kimoun, avec un banqueur Washington. Vous faut dans l'état, vous n'êtes pas dans l'état. Mais nous pas chita pour nous prendre l'argent dans le monde, pour nous faire moun parti, ou du moins pour nous fomenter des mauvais dossiers, pour nous menacer le monde. C'est pas ça qui ça. Ça, pas ni défense, ni encourager les droits humains. Et c'est parce que pays a
l'état failli qui fait Pierre d'Espérance car là toujours parce que moi me rencontre avec déjà dans congrès américain côté t'a démenti billet l'armée haïtienne côté t'es campé pour le dire pour américain pas voyons grain militaire en Haïti vous entendez très bien et côté campé pour le mandat congrès américain pour te venir destituer Jovenel Moïse m'tan facile. Nous t'a protégé Jovenel. M'a protégé Haïti, la constitution haïtienne. Jovenel Moïse est élu pour 5 ans. Il y a un mandat qui t'a fini en février 2022. Nous t'es campé derrière. Donc moi avec Pierre, nous pas jamais scié. Nous pas reconnaître Pierre. Chaque toujours au bord. Mais l'essentiel, son monde pour Haïti m'a fait. Nous chaque toujours au bord. Mais pour détruire Haïti m'a la donne. Il t'a fait la compagnie de Madame Douillon. Il est campé devant le congrès. Il a déshabillé Haïti. Et comment vous faites déshabiller Haïti ou oui, la déshabiller Haïti, il doit parler de force armée d'Haïti. Ou Dipinga est supporté. Mais cependant, vous avez travaillé pour bot entrer en Haïti, vous occupez le pays. Ou pas qu'à dire où sont patriotes. Ou n'avez pas qu'à venir camper pour venir parler, ni de patriotisme, ni pour le monde qui a mené international qui a détruit Haïti. Premier ennemi pays d'Haïti, c'est Pierre Desprez. Seulement, ça me bat à souhaiter, mais que pendant que vous n'êtes pas d'accord avec Pierre, ou bien c'est ça, monsieur abdique pas ça. Je ne vais pas tout rentrer dans la logique de faire même bagaille là. Je ne vais pas faire même bagaille là. Moi-même, j'ai des faits et j'ai des références. Vous dites que monsieur Bajan défend Douamou, il ne va pas quoi c'est vrai. Non, il va défendre Douamou. Non, monsieur défend Douamou. Je ne vais pas d'accord rapport avec formule, monsieur. Bon, il y a aussi. Mais monsieur défend d'accord, Douamou. Il y a la formule. Par exemple, comment vous dites là, vous parlez de Madame Lalim. Vous parlez de Madame Lalim, par exemple, qui fâche avec Pierre Espérance à cause faux rapport. Faux rapport. Mais lorsque. Côté gain d'ici mettez 100, côté gain 100 mettez 200. Par exemple, on a un massacre à Saline, par exemple. Massacre à Saline sont faux. Oui. Non, mais Madame Aline. Ça n'existe pas. Madame Aline documentelle. L'ONU documentelle. Mais est-ce qu'on connaît tout d'un collimateur international pour des faux rapports? Qui est-ce? Pierre Espérance est dans le collimateur. Non, je parle pour cas spécifique ça. Cas Saline. La Saline. L'ONU documentelle. L'ONU, parce que rapport, bon, ici, à bas. Non. L'ONU fait propre quelque part. En tout cas. Madame la ligne est sous même logo avec Pierre. Mais mandez Pierre l'Espérance. Il y a une autre raison. Mandez combien de fois Madame la ligne corrige rapport. D'accord. Et mandez pour qui ça lui-même avec Josué Pierre de Human Rights Watch de Bosson Sebagavel. Pour qui ça Madame Pierre Gilles Divisavel rapport ça nous t'ai parlé de ça dans le congrès. Même congrès a gagné un copie chèque là, oui. 10 000 dollars, il te prend dans le gouvernement privé là, par le biais de la BNC. Copie à là. BNC ou bien BNC. Ou BNPAD, je ne sais pas. Mais l'essentiel, il a reçu un chèque. Est-ce que le réseau de l'Union doit recevoir subvention? La politique. Mandez. La politique. Est-ce que le réseau de droit de l'homme doit recevoir subvention de l'étranger ou bien de l'État? Recevoir subvention dépendamment. Dans qui domaine que subvention en vini. Oui. Très clair. Mais par là, mais l'État haïtien, parce qu'on voit politique, sans chèque là, pas qu'à prouver non. Pour qu'il résolve. Mais sous un chèque là, pour où? Sous non, sous le bagage. Mais sous un chèque là. Nous tous te connaissons. Ou bien copier. Nous tous te connaissons. Non. Of course, copier à ta privé. Non, il n'y a pas de soudan. Bon, bah, on est. Si sous un DDH. Non, un DDH. Comment Marie-Gilles fait dit. Dis pas de courant de 10 000 dollars. Bon, jusqu'à ce logique. Au contraire, moi, je connais, ça m'a dit, moi, je connais. Bon, moi-même, je ne discute pas avec moi, je ne connais pas. Mais l'essentiel, moi, je connais que, au contraire, la Cour des comptes fait un rapport sur chèque ça. L'idée publique. Et que l'idée que, comme la t'es dépensé dans l'NDDH. L'idée dépensé dans l'NDDH, Marie Cougnien, font une émission avec Madame Gilles, Mandel Poukissa. Parce que lui-même, il dit, elle n'était pas au courant de cette histoire. Ok, maintenant, entendons sur l'invitation Raoul. Correct. Pour qui ça a invité Raoul? Mexico dit oui, oui, donc scandale, l'argent BM par de la 58 millions, c'est ou là ou dans le domaine du journaliste. Ah, donc c'est pas un scandale non, non, BNC. Mais que scandale BNC, c'est pas dit à la base. Pierre Espérance dit scandale BNC parce que les toucher dans certains conseillers pour le Vinfel, pour être capable d'intimider Raoul, pour Raoul pas capable de participer. Mais c'est pas ça. C'est pas un scandale non, ça. Non, du tout pas, mon frère.